Veille ton nez. Ouais, elle est dangereuse, cette rampe fait le tour. Une fois, il y a un mec qui se l'est pris dans la gueule. On est avec le propriétaire du terrain et le propriétaire de la moumousse, Sylvain Masson, de son prénom. On va vous raconter la galère qu'on a subie pour monter ce bac à mousse. Parce qu'en fait, lui, spécifiquement, il fait de la moto. Et bah, c'est pas pareil qu'en vélo. Tu es obligé d'apprendre en mousse, le flip. Il y a des mecs qui sont un peu très brûlés et qui le font sur le dur direct. Mais en moto, bah, t'as pas le choix. Mais il faut une quantité de mousse impressionnante. Comment on a fait pour avoir toute cette mousse déjà? 7 ans de collecte. 8 ans maintenant. 8 ans de collecte. En gros, c'était quoi le nom de la société? Somatex à Brest. La Somatex à Brest. En fait, c'est une usine qui fait des matelas et ils nous donnaient toutes les chutes. On devait aller jusqu'à Brest, donc 60 km. Et bah, petit à petit, on en est arrivé à ça. C'est-à-dire un bac à mousse qui est à moitié plein. Le bac à mousse était sur la dalle là-bas avant. Il y avait... combien il faisait l'ancien? Il était 6 fois plus petit. Il faisait que 4 par 8. Et celui-là, il fait 10 par 15 par 3 de haut. Ouais. J'aime bien parce que c'est pas du tout les mêmes proportions. 4 par 8 pour le BMX, c'est top déjà. C'est-à-dire, ça ressemble à celui qui est à Nantes. Le même qu'à Nantes, mais avec de la mousse. Parce qu'à Nantes, ils ont oublié de mettre de la mousse dans le bac à mousse. En gros, le bac à mousse était là-bas. Et pour l'agrandissement, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a bougé toute la mousse à deux en une. Il faut détasser la mousse de temps en temps. Lui, il atterrit en moto dedans. À l'époque, c'était une moto trial, c'était un peu moins lourd. Mais en gros, dès qu'il atterrissait, ça tassait le fond. Le dessus, on avait l'impression que c'était pas trop tassé. Et arrivé au fond. C'était dur. C'était dur, je confirme. On a mis combien? Une journée pour la sortir? Et après pour l'amener là. Et le soir en dormant je sentais encore mon bras qui faisait ça, tellement qu'on avait fait ça toute la journée. Je crois que c'est ça. Moi j'avais des crampes tellement on avait bougé des bouts de mousse. Pourtant un bout de mousse c'est pas lourd. Alors imagine si on l'avait fait avec un bac à briques. Ouais. Tu crois qu'il y en a 70 000? Ouais, pas loin je pense. Hein. Et bien entendu, quand on allait chercher à la Somatex, c'était des matelas et on devait faire des petits carrés. Donc on les coupait avec une égoïne. Les champions de Tetris c'est qui? C'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus non? C'est à mon tour maintenant d'y aller, non? Bah, je crois, ouais. Il y a un peu trop de vent sur le dur, bon. Il va vous faire quelques flips dans la mousse. J'ai eu peut-être 2 ou 3. Hein? Un peu plus. 8? 8? Faut travailler un peu. Et du coup, tu vas te rendre compte de la différence entre le BMX et la motocross. Ça fait depuis tout à l'heure que tu vois qu'il y a un tractopelle, là. C'est pas pour rien. C'est parce que lui, il sort accroché au tractopelle. Bref, merci Sylvain, c'était cool. Avec plaisir. On se retrouve dans la mousse. Fais ta pub. Retrouvez-moi bientôt sur YouTube. Je vous fais partager ma vie, la vie de freestyler, ça va être cool. Le vlogueur. Elle existe déjà. Ouais. C'est la chaîne que tu avais avant. Chaîne. S'abonner à sa. Non, tu vas aller t'abonner à sa chaîne. Et comme ça, quand il sortira la vidéo, tu la verras. Et si on faisait une vidéo là-dessus? Où j'apprends la moto? Tu flippes en mini moto dans la mousse. Flip en mini moto. D'accord, mais en sortant de la grosse rampe. Parce que celle-là, je suis sûr, ça tourne pas, mais la grosse, ouais, peut-être. Bon bah, ça bientôt, hein. Allez. Oh, et merde. Bah, ça sera sur ta chaîne, du coup. Allez. Allez, on fait comme ça. Et dites-le dans les commentaires si vous voulez voir moi faire... me tuer... Enfin, ouais. Voilà. Ouais, lui, il veut, en tout cas. On fera comme ça. Hein.